بعد محاولات التضييق عليها من خلال فسخ العقود طويلة المدى، الجزائر ترد على دول الاتحاد الأوروبي بالبحث عن أسواق بديلة في آسيا لتوقع اتفاقية مع الشريك الصيني لتوسعة الرصيف البحري لميناء سكيكدا، مشروع سيرفع الطاقة التصديرية للغاز الطبيعي المميع نحو الصين وكوريا الجنوبية بما ينعش إيرادات الخزينة العمومية. que nous allons réaliser avec nos partenaires chinois va nous permettre d'exporter plus de GNL. Comme vous le savez, je le dis et je le répète tout le temps, que l'Algérie c'est un pays gazier, donc on doit avoir les moyens de pouvoir exporter plus de gaz et encore mieux exporter plus de GNL parce qu'avec le GNL on peut exporter plus loin, on peut aller vers l'Asie et ça c'est très important. Ne pas dépendre que sur notre marché d'origine qui est l'Europe, qui va nous ramener beaucoup de dollars. الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك دعا إلى الإسراع في إيجاد سياسة لترشيد استهلاك الغاز الطبيعي خاصة مع تضاعف قدرات الإنتاج ليجيب ضمنيا عن وزير القطاع مصطفى جيتوني معتبرا الخوض في احتياطات الجزائر معلومات سرية واستراتيجية. Le gaz en tourne autour de 50 milliards de mètres cubes an. On produit entre 130 et 140. Il y a une trentaine qui est réinjectée et le reste est consommé localement. Et notre problème de fond, c'est comment pouvoir stabiliser la consommation locale. Parce qu'elle augmente de façon exponentielle. On ne peut pas continuer à consommer autant aussi rapidement. On souffre pour pouvoir maintenir le niveau d'exportation. D'autant plus que nous avons des contrats, donc on est obligé de les tenir. C'est compliqué. C'est une information stratégique. Donc, à notre niveau, on sait très bien ce qu'on a, approximativement, à plus ou moins 20%. Mais c'est certain que nous sommes encore en train de travailler pour mieux affiner ces chiffres. ولأن كل الأنظار تراقب بورصة السوق النفطية، ولد قدور يصف القضية بالمعقدة جدا ويستبعد إمكانية الاحتمالات أو التوقعات. Tellement compliqué, tellement complexe. Il y a tellement d'éléments qui interviennent dans le coût du pétrole. Il y a la relation avec les États-Unis, la relation avec l'Arabie Saoudite. Il y a les marchés qui se développent, l'Argentine qui vient aussi. Il y a le fait que l'Iran qui devait être mis sous embargo n'est pas mis sous embargo. Tous ces éléments font que le baril joue. Et quand il joue, on a des difficultés pour nous planifier. Et ce n'est pas bon pour les producteurs et ce n'est pas bon pour les consommateurs parce qu'on ne sait pas ce que demain sera fait. المجمع الطاقوي سوناطراك يخطط لتجاوز الأزمة المالية بفتح أبواب الاستثمار أمام المتعاملين الأجانب. ليرحب ولد قدور بإمكانية العمل مع الدب الروسي إذا كانت الشراكة لصالح الاقتصاد الوطني.